Salut à tous, je suis Paulin Sietambi, vainqueur Music Star 2023. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour le tournage de la chanson Potusia, qui veut dire Pardonnez-moi. Papa, tout ça est nouveau pour moi. Donc, je crois que je vais m'habituer. Mais après, sinon, je me sens bien. Parce que je suis encadré, j'ai pas fait le choix moi seul. Donc, je crois que je me sens dans ma peau. Je dois vous avouer que j'ai un sentiment mélancolique, je suis partagé d'émotions. C'est assez magnifique de me retrouver sur un projet comme celui-ci. Je travaille de façon professionnelle, mais tout ceci grâce à Music Star, grâce à la marque Music. Cette prestigieuse marque qui m'a offert le grand plaisir de me retrouver dans des milieux comme celui-ci. Je suis plein d'émotions, je ne sais pas quoi dire. Des gens qui prennent ton clip et qui font de ça les leurs, qui veulent absolument que ce mot, ce problème s'éloigne de la société, que ce problème qui sévit s'éloigne. Et tout le monde y met la main, tout le monde y a de l'engagement, je suis reconnaissant, je suis vraiment très reconnaissant. Mon rêve qui se réalise, il n'y a rien à dire aujourd'hui. J'enjoy, voilà, j'enjoy ça vraiment. Cette chanson pour Tessia est une œuvre d'art dans laquelle je condamne fermement la violence faite aux femmes. Il est question dans cette chanson de dire non à la violence, non à la violence basée sur le genre, non à ce phénomène désastreux qui se répand toujours encore, maintenant ou dans cette société. Et d'ailleurs, tu n'as pas été touché par l'histoire de cette femme enseignante battue par son mari récemment au Cameroun. C'est pourquoi, dans cette chanson, j'appelle l'humanité à prôner l'amour. Et d'où le titre de mon maxi single, Rendez-vous avec mon humanité. Alors, à tous les talents qui aspirent à réaliser leur rêve, je dirais, croyez en vous, soyez disciplinés, car le talent seul ne suffit pas. Ayez de l'audace. Bien sûr, on ne réussit pas toujours d'un seul coup. Moi, par exemple, j'ai été recalé aux auditions Music Star 2021 pour finalement être vainqueur Music Star 2023. Donc, je vous encourage tous à vous battre encore et à ne jamais abandonner. Comme le dit la marque musique, never stop that. Parlant de mon parcours Music Star, j'ai été marqué par plein de choses, notamment, encore premièrement, je vais parler ici des autres candidats. Voilà, on était plus qu'une famille, voilà, on se partageait même des idées, on répétait ensemble. Ce parcours était vraiment magnifique en compagnie de tous ces autres candidats qui avaient des voix extrêmement magnifiques. Voilà, on se plaisait à faire des petits a cappella. J'ai été marqué par le suivi que les coachs avaient auprès de chacun d'entre nous. De façon particulière, comme dans l'ensemble, les coachs prenaient très bien soin de nous. Le suivi de la marque, surtout pour notre sécurité, pour notre bienveillance, alors on a été très bien encadrés. Ce sont des choses qui m'ont marqué. Parce que la sécurité fait partie aussi de la réussite de cette aventure. Surtout que tout était assez nouveau pour moi, cette aventure. C'était pour ma première fois de participer à une compétition aussi grande. Donc, tout cela était en même temps marquant pour moi. Donc,
Je ne peux que dire merci à la marque Musique. Pour cette nouvelle édition de Music Star 2024, toutes ces personnes-là qui chantent dans l'ombre, qui chantent dans le chambre, qui chantent dans les cabarets, je vous encourage à être audacieux, à sortir de l'ombre et à vous inscrire à Music Star. Qui sait, peut-être ce sera toi la prochaine Music Star. Maintenant, non, oh mon Dieu,